me suis assuré que vous manquiez de rien. Vous donnez tout ce qu'il y a de plus sain. C'est maintenant à votre tour. Mais de notre temps, c'est plus le même discours. Je suis plus dans le rythme, je suis plus dans le coup. Je vous suis pas dans cette vie de fou. Alors on déménage et on fait les bagages. On remplit les cartons. Ouais, je me retrouve comme un pion. Mais de toute façon, j'ai bien remarqué que dans vos yeux, j'étais plus qu'un petit vieux. Va bien falloir me placer quelque part. Merci les enfants. Bonjour monsieur, chambre 33, je vous remets vos nouvelles clés. Alors écoutez, il y a madame Bobineau, c'est votre voisine de chambre. Elle connaît l'étage par cœur. Si vous avez une question, vous pouvez lui demander, parce que nous, il faut qu'on fasse les douches à l'étage numéro 1, on n'a pas assez de temps, d'accord? Donc n'hésitez pas, elle sera ravie de vous aider. Hein, à tout à l'heure, 18h à la réfectoire. Hein. Sur le pas de la porte, dans mon vieux complet gris, je regarde le tout petit lit. Et je me dis, j'ai envie de dégarpir, prendre mes jambes à mon cou. Mais si je suis là, c'est que j'arrive au bout. De toute façon, faut bien passer aux aveux. Je suis plus qu'un petit vieux. Va bien falloir me placer quelque part avant mon dernier départ. C'est déprimant comme on nous met à l'écart. On est peut-être devenu dangereux. On est comme au fond du placard, les vieux avec les vieux. Vous travaillez les jours fériés pour rendre notre vie plus agréable. Entre nous, je tiens à vous remercier, mais ça n'a pas l'air très bien rentable. La société ne sait plus trop quoi faire de nous et nous met déjà au fond du trou. De toute façon, va falloir bien s'adapter à vivre dans cette prison dorée. À vivre dans cette prison dorée.